Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apps and Productivité by Action Agile. Aujourd'hui, deuxième vidéo autour de l'utilisation des formules dans Notion. Nous allons voir notamment comment créer un indicateur composite, c'est-à-dire un indicateur qui puisse contenir par exemple un état d'avancement en pourcentage suivi d'un indicateur de couleur qui nous indique si on est dans une bonne situation ou pas, ce qui pourrait être également une progress bar associée avec un texte. Bref, c'est quelque chose qui contient plusieurs informations dans la même colonne. Dans la deuxième partie de vidéo, nous verrons justement comment créer ses propres progress bars et je vous mettrai également un lien et je vous montrerai comment utiliser quelque chose que j'ai trouvé sur internet et qui vous permet de personnaliser vos progress bars sans avoir une seule ligne de formule à écrire. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, je vous invite à vous inscrire à la chaîne, sans oublier d'appuyer sur le pouce bleu juste en dessous et sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus, mais on passe tout de suite à la pratique. Lors de notre première vidéo, nous avions commencé à écrire des formules sur la table que nous avions créée dans les autres vidéos précédentes autour de la gestion de ses dépenses personnelles. Nous avions notamment créé une table autour des budgets et une table autour des dépenses, et là cette fois-ci, ce que nous avions fait, c'est nous avions créé des formules pour calculer l'état de consommation d'un budget donné et créer un indicateur de couleur en fonction de la consommation de ce budget. Donc avec un indicateur vert si on était à moins de 80%, orange au-dessus de 80%, et rouge bien sûr si on dépasse son budget. Donc là maintenant nous allons voir comment créer un indicateur composite. Donc maintenant ce qu'on va chercher à faire, c'est qu'on va chercher à afficher à côté de notre progression ici, l'indicateur qui est là. Pour vous montrer qu'on peut combiner également ces différents affichages. Alors pour faire ça, ça va vite devenir compliqué parce que là notre petit éditeur ici, ça va devenir complètement illisible, il va y avoir des parenthèses partout, on va plus rien comprendre. Donc ce que je vous invite à faire, et d'ailleurs Notion, dans leur aide en ligne actuelle, ils disent également de faire ça, et l'idée me semble bonne, c'est que vous avez vu, je viens de créer un bloc ici de code. Vous allez voir à quoi ça va servir. Là, je vais prendre ma formule qui est ici, et je vais la reporter ici. Et puis j'ai ma deuxième formule qui est là. Hop, je vais la reporter ici en bas. Ce qu'on va chercher à faire, c'est à s'écrire une formule qui soit un peu lisible, et puis une fois qu'elle sera lisible, on va la reporter là-haut. Alors, nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut afficher notre pourcentage, donc tout ce qui est ici. Hop, et puis on veut y additionner un petit indicateur. Alors, le premier problème, c'est que tout ce qui est là, ça va être évalué par Notion comme étant un chiffre. Donc, si jamais je lui dis « à ça, tu m'ajoutes un indicateur de type texte », il va rien comprendre et du coup il va rien faire. Parce qu'il va considérer que le texte ça vaut 0 et donc il va faire plus 0. Donc la première chose à faire c'est qu'il va falloir qu'on manipule du texte. Il y a une formule qui existe pour ça qui s'appelle format, qui va encadrer le tout. Et donc là on va lui dire ok, tu prends, d'ailleurs on va le faire directement, tu prends tout ça et tu le convertis en texte. Alors là c'est le premier problème que l'on rencontre, c'est que maintenant on affiche 0,87. Pourquoi on affiche 0,87 ? Parce que 0,87, c'est la valeur numérique qui est effectivement stockée par Notion. On en a parlé tout à l'heure, cette formule qui est affichée ici, elle renvoie effectivement 0,87. Par contre, quand je suis en affichage de chiffres, je peux dire à Notion, tu convertis le 0,87 en pourcentage. Donc lui, il va faire x100, puis il va rajouter un petit pourcent derrière. Sauf que maintenant, ce que je lui ai demandé, c'est de me convertir en texte la valeur numérique que j'utilise, et donc effectivement, le résultat, c'est 0,87. Donc, une des premières choses que je vais devoir faire, c'est enlever la division par 100 que j'avais ici. On va utiliser la fonction concat, qu'on a vu tout à l'heure, hein, qui permet d'ajouter des textes les uns aux autres, et puis on va lui dire, tu rajoutes 1%. Et en faisant ça, et ben vous voyez, on a le pourcent qui a été rajouté au 87. Alors en fait, j'ai obtenu exactement la même chose qu'avant. La seule différence, c'est que maintenant, ici, ce que j'ai, c'est du texte. Donc la formule, elle est ici. Et à la suite de ça, je vais donc pouvoir rajouter mon indicateur que j'ai calculé juste avant. Donc le plus facile, ça serait de se dire, eh ben, je rajoute quelque chose dans ma fonction concat
Parce que concat, c'est une fonction qui prend autant d'arguments qu'on veut. C'est-à-dire que vous pouvez mettre autant de choses que vous voulez. Ça pourrait s'écrire comme ça, en fait. Hop, concat, je mets la première valeur qui est convertie, qui est affichée, j'y ajoute la deuxième valeur, et puis là maintenant on dit ok, j'y ajoute une troisième valeur qui serait celle-là. Sauf que là on va vite avoir un problème de logique, parce que en fait si je fais ça, je vais lui demander d'ajouter, je vais lui demander dans le champ progression d'ajouter le champ progression. Ça évidemment c'est un truc qu'il ne peut pas comprendre, ça ne fonctionne pas. Donc en fait pour que ça marche, ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir remplacer le prop progression, qui là ne va plus exister, ou en tout cas qu'on ne va pas utiliser de la même manière, par la formule mathématique qui m'a permis de l'obtenir. Donc en l'occurrence, c'est le bout de formule là qui est, que j'ai mis ici en haut. Et l'arrondi, on n'en a pas besoin. Donc en fait, je vais enlever le fois 100, le diviser par 100, j'enlève l'arrondi. Et moi, je garde juste la formule mathématique qui me permet d'avoir mon pourcentage d'avancement, parce que c'est ça que je veux. Et donc, je vais remplacer ça par ce que je viens de mettre. Et là, vous voyez pourquoi ça devient vite illisible. Dans le petit éditeur là, que nous donne Notion, on n'aurait pas pu faire grand-chose. Alors, maintenant que j'ai ma formule, ce que je vais faire, c'est que je vais la reprendre. Et par contre, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que j'enlève tout ce que j'ai rajouté pour la mise en forme. Sinon, ça ne marchera pas. Donc là notamment c'est les retours à la ligne que je vous ai mis là pour vous montrer bien à quoi ça ressemblait. Il faut que j'enlève ça parce que sinon il va plus rien comprendre. Et donc ma formule sans aucun espace c'est celle-là. Et d'ailleurs ce qu'on pourrait peut-être faire c'est rajouter un espace après le pourcent. Ça nous permettrait d'éviter d'avoir tout collé, ce qui serait peut-être pas très joli. Ensuite je copie le contenu de la formule, je le mets dans ma formule de progression, hop, et là j'ai bien ce que je voulais avec un pourcentage qui est affiché et mon petit indicateur qui est juste derrière. Ce qu'on va vouloir faire, c'est se créer une progress bar. Il y a plein de formules qui existent sur internet pour les progress bars, vous n'avez pas forcément besoin de regarder ce qui se passe ici, simplement je trouvais que c'était un exemple qui était assez concret d'utilisation des formules et pour voir à quel point ça peut être puissant. Donc on va se rajouter une première colonne qui va donc s'appeler la progress bar et qui sera notre progress bar de type formule toujours. Et la progress bar ça s'appuie sur une fonction qui s'appelle slice. Slice c'est quelque chose qui va aller chercher dans une chaîne de caractères, donc dans une phrase en fait, tous les caractères qui sont situés entre la position X et la position Y. Alors sachant que la première position ici c'est la position 0 et que la deuxième position qui est ici elle n'est pas prise, donc quand vous indiquez entre 1 et 5 il va prendre les caractères 1, 2, 3 et 4. Et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un slice mais sur des caractères bien spéciaux qui sont les caractères que je me suis mis ici en bas. Alors évidemment il me l'a enlevé, hop. Donc on va prendre nos caractères, on va dire il y en a 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parce que ma progress bar au maximum, alors à 10 caractères, et si je veux tout entre 0 et 5, par exemple, et pourquoi j'ai mis un égal, on n'est pas dans l'Excel, et là vous voyez, il m'en met 5, parce que je lui en ai demandé 5, et qu'il est venu piocher en fait les 5 premiers caractères qui sont présents ici. Donc, de la même manière, si je mets 6, il m'en mettra 6, si je mets 4, il m'en mettra 4, parfait. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que à la suite de ça, je vais rajouter des caractères blancs ici, pour matérialiser la progression qui n'est pas encore terminée, donc pareil, je vais en mettre 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hop, et je vais faire un slice sur ces 10 caractères, que je vais additionner à la fin, et ça, ça marche parce que ce sont des chaînes de caractères, donc là, j'additionne des chaînes de caractères et des chaînes de caractères, donc lui, il les ajoute, et vous voyez, quand j'ai fait ça, ce qu'il fait, c'est qu'il me dit, en tout cas, il prend les 5 premiers caractères de la première, et puis il ajoute les 5 derniers caractères de la deuxième, vu que ici, à chaque fois, ici, là, j'ai mis 5. Donc ça, ça me fait une progress bar. Là, ma progress bar, en soi, elle existe. Maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais vouloir que ma progress bar, évidemment, corresponde à la valeur qui est dans la progression. Pour vous montrer comment ça marche, et pour que ce soit plus lisible, je vais rajouter une autre colonne qu'on va appeler progression. On va appeler progress 2, c'est moche, mais c'est pour vous montrer. Et la progress 2, ce qu'on va vouloir, c'est qu'elle contienne un chiffre de 1 à 10, mais un chiffre qui soit en fait cette progression-là arrondie. Donc le 18%, je voudrais que ce soit m'affiche 2, 49% que ça m'affiche 5, 87% que ça m'affiche 9.
Donc je vais reprendre la formule que j'avais mis en dessous avec les arrondis qui allaient me calculer eh bien, tout ce qu'on voulait faire, enfin en tout cas notre progression, et on va la remettre ici. Donc là, j'ai trop de choses, voilà, donc là ça m'affiche 87, 49, 18. Ok, c'est pas mal, sauf que moi ce que je veux, c'est pas 87, c'est je veux un arrondi moins fort. Et bien ça, ça se règle ici. Si vous mettez ici x10, vous aurez un arrondi à un chiffre. Si vous mettez x100, comme on l'a vu, vous avez un arrondi à deux chiffres, x1000, un arrondi à trois chiffres, et ainsi de suite. Mais là, je vais mettre x10. Et là, du coup, eh ben, c'est exactement ce que je voulais. Je connais maintenant le nombre de caractères noirs que je vais devoir remplir ici. Donc, dans mon slice qu'on utilise ici, si je remplace la valeur qui est là par la valeur que je viens de calculer dans Progress 2, et derrière, je vais faire la même chose pour les caractères blancs, et ben vous voyez, il fait exactement ce que je veux. Et là, ma progress bar, elle est construite. Ici, sur les 18%, comme mon avancement il est à 2, il m'a mis 2 caractères noirs. Et puis ensuite, il va aller chercher dans les caractères blancs tous ceux qui sont entre la position 2 et 10. Enfin, 3 et 10 en l'occurrence. Et donc, il va me les remplir par 8 caractères. Donc là, ma progress bar, je l'ai. Et du coup, maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est que dans la progress bar ici, je pourrais également rajouter ce qu'on a affiché là, dans la partie progression, vu que tout ça, c'est des chaînes de caractères, donc ça fonctionne. Je pourrais même lui dire, tu me rajoutes un espace entre les deux, sinon ça va être moche. Voilà, et en faisant ça, j'affiche dans ma colonne la progress bar telle qu'on vient de la construire, l'avancement en pourcentage, et en plus, j'ai un bel indicateur. Alors, cette colonne-là, on l'a utilisée pour afficher le nombre de caractères, mais c'est un peu inutile, donc si on veut être vraiment propre, on copie la formule qui est là, on la remplace ici par le nom du champ qu'on va plus utiliser vu qu'on aura mis directement la formule à la place. Donc vous le voyez, il n'y a rien qu'à changer, sauf que maintenant je peux supprimer ici ma colonne et ça continue de fonctionner, j'ai mon bel affichage qui est là. Une dernière chose que je voulais vous montrer, c'est que j'ai trouvé ça sur internet, il y a un mec que je félicite parce que franchement il a fait un truc incroyable, j'ai même pas été voir sa formule tellement elle est compliquée, mais il a fait un tableau qui va vous permettre de vous paramétrer vos progress bars. C'est-à-dire que lui, il a dit, bah voilà, on peut faire des progress bars sur ces caractères-là, et donc ça c'est les caractères que vous paramétrez ici, puis là vous avez tout un tas d'options. Donc par exemple, si je prends celle-là, ce que je peux lui dire, c'est que je veux afficher le pourcentage au début, ou alors je veux l'afficher à la fin. Et vous voyez, ça change dynamiquement. Mais vous avez d'autres options. C'est-à-dire que là, je peux lui dire, je veux pas afficher les zéros, ou alors je veux afficher les zéros. Puis là, vous pouvez lui dire, j'affiche ou non le pourcentage. Et ce que ça va faire, ce truc, et là, vous avez aussi, d'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, moyen de dire, quand c'est arrivé à 100%, je mets le caractère qui est là, quand c'est arrivé à 0%, je mets le caractère qui est là. Donc dans certains cas, on peut mettre des croix et des coches. Ça, par exemple, pour suivre l'avancement des tâches, c'est très pratique, et c'est ce que moi j'utilise. Et quand vous avez tout paramétré, et bien derrière, il vous suffit de prendre la formule qui est là, que vous pouvez récupérer, je ne sais plus comment on fait. Ah, comment on fait? Voilà, là vous faites un CTRL-C. Ouais. Là vous faites un CTRL-C et après ça vous donne la formule et vous avez juste à la remplacer dans votre tableau. Et comme ça vous pouvez paramétrer les barres de progression que vous voulez exactement comme vous le souhaitez avec toutes les petites notions qui sont là, c'est vraiment sympa. Alors j'en profite pour dire un truc, c'est que les caractères que vous utilisez dans la barre de progression, ça doit être des vrais caractères qui viennent d'une police de caractères de votre ordinateur. Ça ne peut malheureusement, enfin en tout cas j'ai pas trouvé la solution, ça ne peut malheureusement pas être des emojis parce que c'est pas le même encodage, l'emoji c'est de l'Unicode, et donc du coup c'est, alors je vous passe tous les détails, mais en réalité c'est sur deux caractères, et ça Notion par contre il n'arrive pas à comprendre, donc si vous mettez des emojis à la place de ces caractères là, ça fonctionnera pas. Donc ce que je vous invite à faire quand vous faites vos progress bars, c'est que si vous voulez la faire vous-même, vous venez prendre le caractère ici, vous le copiez-collez de l'autre côté, et ça marchera très bien, ou alors vous allez le chercher directement dans votre police de caractère si vous savez comment faire. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous comprendrez mieux désormais comment fonctionnent les formules dans les tableaux autour de Notion. Nous avons vu quelques fonctions principales qui sont essentiellement celles que j'utilise dans la plupart de mes formules, mais évidemment il en existe d'autres et vous trouverez sur internet beaucoup de gens qui ont écrit des formules de toutes sortes pour faire tout un tas de choses, et notamment je vais vous mettre une vidéo juste à côté sur
Schumann-Scharbach qui a créé toute une gestion justement des dépenses personnelles telles que nous avions voulu le faire là, mais en mode un peu plus avancé, et il a notamment créé des formules assez intéressantes pour afficher la consommation de tous ses budgets au moins le mois. Si le contenu de ces vidéos vous plaît, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, sans vous oublier de vous abonner à la chaîne, ni de cliquer sur la cloche, ce qui vous permettra de ne pas rater les futurs contenus, et la prochaine vidéo, toujours autour des tableaux, sera dédiée à l'utilisation des templates. Sur ce, je vous dis à ciao tout le monde.